Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve sur Tomb Raider 2 où nous étions restés ici avec le bateau qui m'avait laissé sur place parce que je savais pas ce que je devais faire. Et en regardant l'épisode d'avant, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et en gros, faudrait passer, donc réactiver le levier, faire monter la porte, passer le bateau et après revenir au levier pour rouvrir la deuxième porte et fermer la première porte. Vous allez comprendre. De ce que je vois, j'ai compris par rapport à l'épisode d'avant. Ça doit être comme ça. Oh, mais ça saute direct. Oh, par contre, c'est fort. Oh, c'est fort pour moi. C'est faux. Ok, carré. Saute. Oui. Oh, il y a un levier en plus ici. Attendez. Donc, c'est comme ça. Donc, je crois que c'est ça. Hein. Je dois faire passer le bateau ici. Revenir au levier. Ce qui va ouvrir la porte. Non, là, le truc en haut, il est déjà ouvert. Ok. J'ai cru que c'était. Ok, on s'en fout. Donc, là, tu reviens. Tu ouvres le levier. Alors c'est super sombre, même pour moi. Vous avez la même qualité vidéo YouTube que moi là. Donc là le bateau, les deux de côté. Ok, c'est bon. Là j'aime bien tes énigmes comme ça. La musique. La musique. Donc là, je fais passer le bateau. Attends. Ah. Ok. Donc là si j'ai bien compris. Et voilà, il y a le levier ici. Ça c'est pour après. C'est pour la deuxième, la troisième porte, c'est ça? Enfin, je pense que ça doit être ça. Donc là je dois passer le bateau. Ah, petite énigme, un peu chiante, mais petite énigme sympa quand même. Chiante mais sympa, donc sympa. Sympa. Hop. Bon après ça va, on habitue très vite aux touches. Donc là, on va activer le levier. Bon ça va, hein, c'était pas compliqué à comprendre. Ah c'est des... Ah ça change de les ruines de Natla. Hein. Toujours. Ah je vais être chiant avec ça, je vous le dis, hein, je vais être chiant. Ah j'en ai rien à foutre. Hein. Ah si vous avez fait le 1 et vous êtes les ruines de Natla, c'est bon. Ah non mais vraiment, là je vous jure j'en peux plus. Ce niveau il m'a traumatisé de Tomb Raider, vraiment. Il m'a traumatisé de Tomb Raider. Du 1 en tout cas. À cause de ce niveau de merde. Elle saute directement. Oh putain Lara. Oh ouais. Petite musique sympa, petite musique vénitienne, moi j'aime bien, j'aime bien. Ding. Attends, c'est bon. Non, c'est le jeu là. Oh, c'est trop bien. Mais oui, mais moi je veux ça tous les jours. Ah putain, c'est vrai. Mais je veux ça tous les jours, moi. Des musiques comme ça. Ah, ils ont fait des efforts dans ce Tomb Raider, j'ai l'impression, en termes de musique. Non, c'est déjà coupé! Oh shit! Niquez-vous! Oh putain! Oh, j'ai pas save! En plus, je crois que c'est L1 pour save. Je crois que c'est L1. Oh putain! Oh, la save state, elle est ici, putain de merde! Cette fois, save state. Cette fois, voilà, save state. C'est bon? Ouais, c'est bon. Non, non, non! What? Ils ont des masques! Ils ont des masques de Venise! C'est le carnaval? Je suis arrivé au carnaval de Venise, c'est sûrement ça. Die! Font mal, hein! Par contre, fusil à pompe. C'est tout? Attends, mais. Tu sais, on dirait comme dans Devil Within. Devil Within, c'est pareil. On donnait des grosses caisses, des grosses caisses de ravitaillement et tout ça. Et à l'intérieur, il y avait une balle. Et là, c'est pareil, c'est des grosses boîtes de cartouches de calibre 12. Il y en a une cartouche. Oh, la bonne blague, quoi. Ça me tue. Oh, yes. C'est bien, ça. Arrête. Non. Merde. Ah putain, c'est pas automatique. Ah, j'avais pris l'habitude pourtant. Hein, d'être dans le 1. Hein. Les portes, elles s'ouvraient toutes seules. Putain, pourquoi c'était là, ça voulait monter tout de suite. Monter tout de suite, ça veut pas monter tout de suite. Excusez-moi. Oh le bâtard. Bon alors là, par contre, Eh, t'as pas de race, toi. Hein. Pas l'avoir. Ok, on va essayer de le choper. Ils ne me voient pas dans l'eau. Ça
ça que c'est qui me voit dans l'eau. Elle est trop bien, la musique. Il faut le dire ce qu'il y a, elle est trop bien. Allez, Dylo. Oh putain. Oh la vache, la vie qu'ils ont, quoi. Eh, j'ai plus de medikit, hein. Eh, c'est dur, hein. Eh, vraiment, t'as pas joué au 1 avant, c'est le 2, c'est hardcore, quoi. Sans déconner. Non, tu peux pas. Au moins, j'aurais essayé. C'est trop bien, la musique. Je suis à fond, la musique. Et là, vous voyez, c'est ça qu'il faut mettre souvent dans Storm Raider, c'est des petites musiques comme ça. Donc, attends, on va voir de l'autre côté ce qu'il y avait. On va voir ici ce qu'il y a. Elle tourne. Allez, on rentre. Lara, tu peux rentrer dans le bateau. Ah, j'avais pas envie de ménager, merci. Oh le bâtard. 2 secondes, toi, petit con. 2 secondes. Est-ce que tu connais le calibre 12 dans ta gueule? Je vais te faire connaître, mon petit gars. Non, Lara! Lara, bah c'est bon, je suis mort. C'est dur! C'est super dur. Alors, attendez. Alors là, je me ferai pas avoir. On va essayer d'économiser des... Des medikits, bah, plutôt que non, hein. Ah non, c'est bon, j'avais 2 balles. Je pensais que j'avais déjà des munitions de fusil à pompe. Mais je crois que je l'avais déjà utilisé dans le mur de Chine, en fait. Je pense. Ça va, toi? Ça va? Je te fais pas chier? Non, mais je te fais pas chier. Non, mais vas-y, bah, vas-y, bah, toi. Non, mais... c'est un troll, ce mec. Ok. Donc, attendez, on va remettre le fusil à pépon, bien sûr. De El Famoso. Croix. Ah, oh, je peux pas gruger, mettre directement dans le bateau, tout à l'heure je vais plus le faire. Oh, j'ai un fond dedans. Ah, c'est juste génial, quoi. Avouez, la musique elle est juste géniale. On va aller de côté, hein. Un endroit secret, peut-être. Peut-être. Tu pourrais t'y perdre là-dedans, c'est un labyrinthe. Non, ça va. Ok. Là, ok. Alors, on va revenir, on va aller chercher le mec. It's safe state. On va éviter de refaire le chemin, quand même. Il y a un bouton, j'ai vu le bouton en plus. Mais il tire vite, hein. Il tire super vite, il me fonce. Il me défonce ma vie. C'est une blague! Oh la vie qu'il avait, quoi! Je lui ai mis les 4 cartouches dans la gueule, c'est les 4 cartouches que j'ai mis, hein. J'en ai mis 3. J'ai mis les 4! Dans sa mouille! Oh la bonne blague, quoi! C'est des cartouches de Magnum, ça, tu me la fais pas, moi. Cartouche pour pistolet. Oh, Lara! Lara! S'il te plaît, je me rends pas fou. Je suis déjà. Oh, il y a des mines. Ah, il y a des mines. Alors, faut faire attention à Venise, il y a des mines. Il y a des mines sous-marines. Tel le débarquement à Omaha Beach pendant la guerre. Faut faire attention. Attends, quoi? Ah, c'est trop beau. Attends, c'est ça? Oh, arrête, tu seras pas testé. What? Est-ce que ça slide sur la pente, le bateau? Je rigole. Hein. Attendez, c'est ça. Oh, c'est trop bien. Eh, cette zone est trop bien. J'adore. Non, ça slide pas, c'est bon. Ça n'est pas la logique. C'est cool. Bon, on va monter quand même comme ça. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un passage secret? Bon, là, il y a des bateaux, ok. Ah, c'est pour faire un saut. Enfin, je vois rien avec cette caméra de merde, là. Non, c'est un secret. Ok. Bon, un secret, c'est visible, quand même.
Donc là, si t'as assez de vitesse, tu peux sauter au-dessus des bateaux. C'est ça le délire? Je pense. Ah, je savais qu'on pouvait monter directement. J'avais vu au début de l'épisode ça. On pouvait monter directement en sautant dedans. Faut juste pas oublier d'appuyer croix, je pense. J'ai appuyé croix là pour monter. Il est pas là le Gugus là? Je l'ai pas tué le Gugus ici. Il va revenir un jour, je le dis. Je le dis. On va remettre la musique, il y a une musique qui est arrêtée. Ah, il y a un chien et son maître. On va faire attention. On va faire gaffe quand même. On va même sauvegarder au cas où. Saute! Eh, regardez, elle va pas pour s'élancer, elle y va pas. Oh, s'il te plaît, Lara. Tu te fous de ma gueule, Lara? Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? D'ailleurs, attendez. J'ai pas mon Streamlabs. Voilà. Je préfère avoir mon rendu à droite, comme ça je peux voir quand je peux couper mes vidéos, parce que sinon ce serait trop long. Et les gens vont se plaindre, c'est trop long! Je comprendrais. Hein? Je pouvais monter là, Oui, on peut monter, c'est juste qu'il faut que je saute. Ouais, il faut que je saute là, oui, c'est ça, ouais. Ça, j'avais oublié déjà. Faut que je relâche en fait. La musique s'est coupée. La musique sinistre. Putain, Lara! Non, mais là... C'est un gangbang! C'est un gangbang! Oh, l'horreur de ce passage. J'ai juste des pistolets, bordel de cul. Et j'ai plus de medikit. Si j'ai un medikit, ça devrait le faire. Moi, de toute façon, tant que j'ai de la vie, ça me va. Ah, monte! Monte! Oh, merci! Oh, punaise! Avec analogique, c'est chiant! Quand vous faites ça. Ok, c'est parti. Hop! Ok, le chien est mort. Quoi? Oh non, mais c'est une horreur! C'est mort entre celui qui te met des bastos dans le cul et le chat qui veut te violer la bouche devant, par devant, c'est chiant quoi. Regardez-moi ça! Mais regardez, c'est un gangbang! Mais laissez la pauvre Lara là! Laissez-la, elle a pas assez de trous, laissez-la! Mais bordel, c'est quoi cette zone de merde? Oh putain! Eh, j'ai pas de Uzi là encore, hein! Ok. Putain. Je vais encore mourir! Il m'a poussé dans un mur là. Non, c'est bon. Ah, il y a un peu plus d'espace là pour tirer, là, c'est bien! Ah, c'est débile! C'est débile! Je suis obligé de jouer comme un débile pour avancer, quoi, sans déconner. Ok. Une clé. T'as pas des balles? Non, ça aurait été plus intéressant là. Eh, pas facile cet endroit là! Un petit endroit à la con. Hein. Le chien, il a quoi? Non, on peut pas lui dépecer sa barbaque là. Ça se mange, hein, le chien. Hein. Ah bah, vous savez, depuis que j'ai vu le film La Route. Ah bah, moi je fais plus la fine bouche. Hein. Allez, regardez ce film incroyable. La route, il est dur. Il est très dur, attention. Mais tu vois, elle est vraiment la survie d'un homme. Et de son enfant, hein, de cette manière. Parce que à côté de The Last of Us, c'est rien. Hein, par rapport à ce que le film La Route est. Et là, c'est plus réaliste, hein, la route. Je vous promets, hein. C'est pas prêt. Ouais. Alors, je sais pas ce que je fais. Depuis le début de l'épisode, j'active des leviers. Je vais à droite, à gauche, j'active des leviers. J'ouvre des portes. Je sais même pas où ça va mène ou je les ai même pas vu ces portes encore. Mais au moins, on avance. Ça, c'est blindé, ça. Ça, c'est blindé. Ça. Je sais pas comment on fait du verre blindé comme ça. Là. Alors, je sais bien que c'est à base de sable. C'est du sable, hein, je crois, le verre. C'est du sable chauffé, quoi. Je crois, hein. Je dis pas de conneries. je dis pas de conneries.
Men in Black. C'est J. C'est Will Smith. Il est là. Non. Mais pourquoi ils sont tous des masques? Mais arrête de gémir quand tu vois lui. Je comprends bien que le masque te donne de l'effet, mais quand même. Oh, encore des balles de. Mais les balles de pistolet, je sais pas, j'en ai plein, mais j'ai pas l'arme en question. Alors, est-ce que j'aurais dû le récupérer à un moment? Déjà, je sais pas. Telle est la réelle question. Mais dès que je vais avoir le flingue. Mais il y en a plein! Ah, ça change un peu des monstres, hein, du 1. Par contre, faut dire ce qu'il y a, hein, ça change complètement du 1. Est-ce que je peux le tirer d'ici? Non, par contre, il y a un deuxième bateau. Il m'a vu? Il m'a pas vu? Moi qui m'a pas vu. Et bien sûr que c'est qui m'a vu. Non, mais attends, laisse-moi le temps de me relever. Eh, c'est trop dur, hein. Eh, faut dire ce qu'il y a, c'est trop dur. Les gars, ils te diquent ta vie, mais genre vraiment, le temps que tu te montes, que tu montes sur les docks et tout. Ah, il est trop dur, trop dur. Vraiment. Regardez, j'ai même plus de medikit. Ils m'en donnent pas le jeu. Ils me donnent des munitions que j'ai d'armes que je n'ai même pas encore. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Non. Bah, non, oui. Mais je veux des medikit là. Les munitions, je m'en fous, j'ai mon pistolet. Moi, ce que je veux, c'est des medikit, hein. J'ai mon pistolet, la capacité d'avoir des munitions illimitées, mais la vie illimitée, elle l'a pas. Hein. Oh, pas possible. Bon, faut rater d'être con. Là, ça me fait peur, j'ai pas envie de tout refaire, quoi. Oh, punaise, y'a des mines. Je fais une safe tête, hein. Je vais me faire exploser la gueule, je vous sais. Oh non, eh. Non, 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 par contre, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Y'a assez timé le temps, là. La porte là, je l'avais déjà ouverte ici. Attendez, il y avait une grille aussi ici. Oh quoi? Mais tout est timé. Attends. C'est quoi ce délire? J'ai déjà activé ces portes. Je les ai déjà. On va essayer de passer par en dessous, hein. Rien à foutre. Hein. Mais j'ai déjà activé les portes. Oh. C'est quoi cette merde? Faut que je fasse quoi? Eh, je suis complètement perdu dans cet épisode là. Complètement. Vu que c'est timé. Oh, mais non, ils auraient pas dû timer. Oh, par contre, les graphismes au fond qui pâtent un câble. Non, je peux pas. J'ai plus de vie. C'est bon, j'en ai marre. Cette zone à la con, j'ai limite envie de tricher là. Ah, il y en a un deuxième? Il y en a deux? Non, attends, j'en ai qu'un seul, c'est juste qu'il est revenu là-bas. Ouais, bah vas-y, bah voilà. Regardez, je me relève, il va me défoncer. Hein. Il va mettre des coups de baseball dans le cul, tu vois. Ça va être génial. J'ai même pas le temps de me lever, hein. Ah, la foutre, je vais jouer putain, j'ai pas le choix. T'es mort. Je parle même plus. Oh mon dieu. Un petit medikit. Regardez ma vie, hein. Oh mais les radins quoi. Oh j'ai pas besoin d'un lampe torche, j'ai mes flingues. En plus j'ai même des rats. Le mec il vivait avec des rats quoi. Non mais. Le mec vivait avec des rats. Bon vas-y, j'en ai rien à foutre de la torche et mes flingues. Ah bah, ah, puis y'a un levier ici. C'est vrai quoi? À quoi ça sert d'avoir une torche si t'as des flingues pour tirer? Plutôt que mettre une torche, mettez-moi plus de medikit dans le jeu, merci, ce serait gentil. Oh non, mais vas-y, j'ai encore activé une zone, je sais même pas où c'est quoi. Ça casse les dents. Qui va se fermer avec le temps parce que tout est timé. Est-ce qu'après là-bas je devais affronter tous les types? Oui. Ouais, parce que c'est mon point de vue, je dois tous les tuer. Attends. Attends. C'est Lara quoi. Oh c'est nul, bordel. Donc là en gros faut que je me dépêche sur les leviers quoi. Je comprends pas en fait ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que c'est un jeu de vitesse? C'est un jeu de vitesse, c'est ça? Parce que là maintenant je connais la map, hein.
T'inquiète pas, j'ai une grosse mémoire, mais je sais où sont les deux. Putain, le. Oh là là. J'arrive pas à trouver le terme. Oh, ça m'a énervé. Les deux interrupteurs. Putain, j'ai mis 3 heures pour trouver. Je sens que ça a saturé, mais. Les deux interrupteurs. Et à quoi elles vont et à quoi ils ouvrent. Mais on va déjà tout préparer. Hein. En gros, c'est quoi? C'est de la préparation au jeu, tu vois. Parce que là, clairement, ça sert à rien. Je peux pas accélérer. Ah attends, je t'ai vu du coin de l'œil, toi. Je t'ai vu du coin de l'œil. Ah, bah oui, mon petit gars. Y'a Croco? C'est pas un piège. Petite musique! C'est la petite musique, ça? La reconnais? Oh là! Oh! Musique de base, mais remixée. Y'a bien. Ok, on a trouvé cet endroit. Y'a un chien! Il veut me gober le derche! Encore un. Attends, on est vraiment à la pire conne. Je peux pas sauter ici! Putain! Oh là là! Au moins, il m'a sorti un medikit. Ça, c'est déjà bien. Eh, c'est dur, hein! Eh, c'est vachement dur à jouer au jeu, vous allez comprendre. Les touches et tout. Pourtant, là, j'ai plus de 30 épisodes sur le premier, c'est les mêmes touches. Et je galère! Je galère! Ah, la difficulté! Waouh! Et là, t'as le mec qui est en bas, là, qui a spawn. Je l'entends d'ailleurs. Est-ce qu'on le bute? Bien sûr. Mais il va me défoncer ma vie. Le temps que je monte et tout, il va me défoncer ma life. Hop. Ah, c'est bon. Ça va. Le truc, c'est, voilà, c'est jouer comme ça pour éviter qu'il te tape dessus. Ok, cool. Good. Bon. On va s'y faire. Par contre, il m'aime pas trop ici. Hein. Pourtant, c'est Lara, quoi. On ne peut que l'aimer, normalement. Quel endroit? Safe gate. Je l'ai trouvé. Putain, faut c'est à l'autre bout, quoi. Donc j'ai compris, en fait, ce qu'il fallait faire. À force de tourner en rond, bon je vais couper le montage, mais à force de tourner en rond, voilà. Ça en fait, il y en a deux des portes comme ça, et on permet de bouger. Ah! Je parle, putain! Putain, je suis obligé de leur niquer dans le cul pour avoir quelque chose, quoi. Pour les tuer. Ça me prend de trop de balles. Et donc en gros, il y a deux portes en grillagées comme ça, qu'il faut lever pour pouvoir passer le bateau le plus vite possible. Et arriver à la porte pendant que j'ai réactivé le levier là-bas. Mais vous voyez, il y a les mines, mais je sais pas comment les déglinguer, les mines. On leur tirer en dessus, mais bon, y'a pas une visée. Y'a pas une visée pour. Non, on va le garder, on sait jamais. Je sais pas si ça redonne la moitié ou trois quarts en fait. La musique s'excite à chaque fois, j'adore. Donc là, ça va activer ce deuxième endroit. Mais par contre. Voilà, ça va le level de la grille. Voilà. Déjà, j'ai plus besoin de faire les grands tours à la nage ou avec les deux bateaux. J'ai juste besoin d'un bateau. Donc là, non. Ou à moins que. Ah! À moins que je dois jeter un bateau dans les mines. Et garder l'autre pour courir. Attendez, c'est peut-être ça. On va tester, on va faire une safe state. Hop. C'est ça! C'était ça! Ah, intelligence du mal! Bon, là, on va chercher le bateau. Et on va essayer de se grouiller, quoi. Cette musique, vraiment, elle est géniale. Elle est juste géniale. Bon! Ça m'aura pris un petit moment, quand même, de trouver celle. Mais ça me va. Ça me va, tout est logique, ça mérite d'être clair. Donc, ça me va. Moi j'aime bien quand c'est logique. Quand ça l'est pas, ça m'énerve. Ça mérite. Ça mérite le petit bout. Ça mérite le petit bout. Ah, je sais de quoi je parle. Ah.
côté, ça vous énerve pas trop quand ça n'a pas de logique aussi dans les jeux? Il faut aller, ça énerve beaucoup. Bon, hop, cessons les conneries. Là, on sait qu'on peut pas monter avec la pente, donc ça sert à rien de... On va devoir faire le tour quand même. Parce que le bateau, il peut pas monter là-haut. Le bateau peut pas monter là-haut. Donc là, il n'y a plus les mines, il n'y a plus rien. Hop, let's go. C'est parti, on monte dans le bateau. Qui n'est pas prêt d'ailleurs. Putain. Allez, 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 allez. On va même faire une safe state. On sait jamais. Putain, il était pas prêt le... Là, on peut pas sauter là-haut. J'ai essayé plusieurs fois, c'est bon. Ça sert à rien, c'est de la perte de temps. On fait le tour. Allez! Non! C'est la maniabilité, hein, c'est pas forcément la race, c'est la maniabilité. Hein. Hop, on passe par là. Après, ici. Ah, le dong, en fait, c'est le temps que la porte elle reste ouverte. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Passe, Lara! Oh putain! Vite! Ah, voilà, c'est ça. Le dong, en fait, c'est juste pour dire vas-y, la porte elle est ouverte. Mais je peux pas sauter là-haut! Ah mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux pas monter là-haut. Comment je fais? On va essayer de préparer la tourne. Avec l'analogique, c'est horrible le bateau avec l'analogique, vraiment. Alors je sais bien que c'est pour les flèches directionnelles à la base, mais putain là c'est horrible. On prépare le bateau. On se met bien. Hop. On prépare tout, hein. Ensuite, on fait ça, on se met devant, on save state, comme ça on évite de retour commencer, on appuie et on se dépêche. C'est de la merde. Mais bon, faut pas le dire, sinon ça va énerver certains. Ça va irriter certains. Vite! Est-ce que là tu peux? Normalement, là je peux pas faire mieux, là. Ah, monte! Il y a un turbo, il y a quoi? Il y a quelque chose à... Il y a un turbo. Ah putain, c'est croix. Le turbo. Ok, autant pour moi. Il y a un turbo, j'ai rien dit. Je l'ai activé? Non, je l'ai pas activé. Je suis trop con. Il y a un turbo, j'avais complètement oublié qu'il y avait un turbo sur le bateau. Ah, vous savez, je joue pas tous les jours à Tomb Raider 2. Hop. Vite! Let's go! Vas-y, passe! Pas grave la vie. Si, c'est un peu grave quand même, parce que j'ai pas beaucoup de medikits. J'en ai qu'un seul. Et j'ai déjà... Vite! Oh, yes! Oh, l'horreur de ce niveau! Ah, ce niveau était à chier! À chier! Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ouh, on va voir ce qui se passe derrière et on se laissera là. Écraser un jeu, oui. Oui. Ah, mon Dieu! Alors, j'ai super bien aimé le niveau, mais j'aime pas le truc où c'est timé comme ça avec un interrupteur. Mais bon, ça va, il y a quand même le dong-dong pour te dire fais gaffe jusqu'à la fin du dong-dong, c'est la porte elle se ferme. Donc ça se tire. Et bah voilà quoi. Bah voilà, on va cesser là. On va cesser là pour cet épisode. On vous souhaite une agréable journée, des bonnes soirées, des Xana sur Tomb Raider 2 à Venise et tchuu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 u